Oui, il est là, il est là, il est là. Ah bah zut. Alors, il y a eu son lancer d'hameçon, entre guillemets, ses double bip. Ottawa. Comme j'étais pas prêt. Voilà. Ok. Là, ça y est, c'est en route. Bon, attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 33 01 Rémi qui vient t'emmerder pour le dernier jour de l'année. Hachi 3 coups. Ah ben zut, il n'a pas réagi. Bon, c'était une blagounette, hein. Ça s'est peut-être pas vu au premier abord, mais si. Alors là, la rampe lumineuse. Alors, je sais pas sur la vidéo si on la verra de la bonne couleur, mais normalement c'est bleu. Voilà, je vois plutôt blanc, blanche. Alors, là, violet, vert. Arc-en-ciel, violet, 1, 2, à nouveau bleu, ah, il est un peu plus bleu, ouais, un peu plus, ah oui, d'accord, c'est un bleu dégradé. Vert. Blanc, non, ah oui, d'accord, multicouleur. 1, 2, 3, essai, essai, ouais, multicouleur. 1, 2, ok, essai, bah là, on connaît déjà, ok. 1, bon, il est où? 1, ah. Salut, comment vas-tu, ami du matin? Tout fout le camp, dis donc. Alors attends, que je regarde mon réveil, 14h30, donc 8h30. Ah bah ça va, tu t'es payé une bonne petite grasse matinée. Ça, c'est pour être en forme ce soir. Ah ben tiens, et on nous met de la musique, il y en a qui sont gentils quand même, hein. Histoire qu'on n'ait pas trop de QRM, là on nous met un fond musical. Ah y a les parasites qui arrivent, on sait de qui ça vient, enfin on sait d'où ça vient. Ah ouais, mais on les a reconnus. Oui, monsieur,
Et voilà, le Brésil. S'il ne monte pas trop les whisky, oui, ça ira. Oui, tiens, à propos de whisky, je te montrerai ça à la caméra, tu pourras voir ça après. Là, j'ai une nouvelle bouteille à inaugurer, là, ce soir. Une nouvelle bouteille de Bourbon. Alors, qu'est-ce que c'est? Du John Devon. Je sais pas, John Devon's. Alors, je sais pas si tu connais, mais ça vient du Connecticut. Ouais, du Bourbon. À voir ce que ça donne. Tu vas pas y goûter maintenant, t'as pas pris ton petit déjeuner. J'ai pas tout compris, hein. Il y a l'autre là, la brésilienne avec sa paire de noix là qui est en train de nous perturber là. Ah bah oui, je parle de brésilienne, je parle de noix, ça fait le yo-yo. Ah bah je vois ce que ça donne quoi. Ouais, je vais essayer de pousser un petit peu plus. Ouais, je suis au taquet. Hein. Par contre, faut pas que je parle trop fort parce que le taquet il risque de foutre le camp. Non, ça change pas grand chose là pour toi, j'ai l'impression. Bon, ok, j'ai redescendu d'un cran puisque ça change rien. Non, non, t'es le premier. Avant ça, j'étais pris là ben, sur l'ordinateur. J'ai passé la matinée hein, là à travailler là tes trois vidéos. Après à 11h 11h je me suis mis 11h20 là j'avais fini les partages et tout. Je me suis mis sur mes programmations journalières comme d'habitude. Je suis allé sur le forum voir les messages et tout, refaire le plein pour les prochaines programmations à Chi. Là, j'étais en train de regarder, de répondre à tout, à droite, à gauche, là, sur Facebook et ailleurs aussi. Et quand je t'ai vu là, justement, là, sur Messenger, et paf, dans la foulée, j'ai entendu cogner à la porte avec tes doubles bips, Hachi de coup. Et puis voilà quoi. Donc non, pour faire court, t'es le premier contact de la journée. Ah ben c'est super QRO hein. C'est oui, bon j'ai le volume qui est pas trop fort, c'est plutôt ma gueule qui est un peu trop forte je pense. Oui, il y en a une qui confirme. Hachi. Non mais le volume du poste déjà il n'est pas très fort et je t'entends très bien. Hein. Ah ben non, si je monte le volume de mon côté, c'est sûr que tu auras une grande gueule, c'est sûr. Là, j'ai le volume qui est très fou, qui est assez faible. T'as juste une petite gueule, c'est tout. Hachi de coup. D'ailleurs, c'est marrant parce que à chaque fois dans le montage de tes vidéos, je suis obligé de remonter un peu le volume. Pourtant, et sur les ondes, sans déconner, t'as une voix qui passe partout, quoi. Ça passe par tous les trous. Même quand on est au chiottes, on arrive encore à t'entendre, quoi. Et dans les vidéos, je suis pourtant obligé de remonter un petit peu le volume. T'as une voix très grave, mais qui porte énormément sur les ondes. Alors qu'à côté de ça, dans les vidéos, il me faut remonter le volume. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est vraiment bizarre.
Wow, là t'es tombé de la chaise. J'ai même pas entendu les doubles bips. Ah voilà, ce coup-ci oui, j'ai entendu les doubles bips, c'est bon. Ouais, c'est compliqué là. Attends, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Voilà, ok. Ouais, parce que j'ai le web SDR de Ottawa qui était mis en parallèle, mais le volume baissait. Donc c'est sûr que je risquais pas d'entendre grand chose de ce côté-ci. Là, ça y est, ok. Bon, ben là, ok, ça ira mieux. Oh, tu t'es décalé là. Là, tu t'es, t'as bougé là au niveau de la fréquence. Ouais, tout à l'heure, t'étais pile poil sur la fréquence. Là, t'as bougé un petit peu là. Bon, je verrai dans sa vidéo ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, qu'est-ce que t'as... j'ai pas tout compris tout à l'heure là, au niveau de... Qu'est-ce qu'il y a de prévu alors pour ce soir, là, chez toi? Je te pose la question pour savoir si on doit venir ou pas, ou si ça vaut le coup de venir ou pas, quoi. Ok, 5 minutes. Ouais, bon, dans une demi-heure, quoi. Le temps de passer au Karcher et tout ce qui s'ensuit. Hachi. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Oui, bon, bah, quand tu seras là, quoi. De toute façon, je suis là, je suis derrière. Je suis derrière la porte. Il n'y a pas de problème, je suis là. Ok, j'ai donc entendu le petit renard. Et 73-51, le petit renard. Oh, il est parti. Et retourné dans son terrier. Bon, attention, le petit renard pour Dundee 33, 14 km 33-01 qui t'appelle. Bon, pas grave. Attention, le Québec-Canada. Attention, le Québec-Canada pour Dundee 33 qui vous appelle. Attention, le Québec-Canada. Le Québec-Canada pour le Dundee 33 qui vous appelle depuis le sud-ouest de France, le secteur de Saint-Émilion. Oh, ça, c'est les USA qui sont en embuscade là-dessus. Ah, chie trois coups. Bingo.
Là, ça passe à fond. Comme à chaque fois, en bas de bande, il y a toujours une super propague par rapport en haut. Et les gens vont chercher la propague là où elle est le moins. Ça n'a pas de sens, sans déconner. On va s'amuser un petit peu pendant que Gilles est en train de prendre son petit déjeuner. Là, je vous laisse le volume du côté du web SDR. Alors, là, attention où on met les doigts là-dedans. Il y a trois réglages pour la couleur sur le FT450AT, à condition de ne pas l'avoir mis à jour. Le vert, c'est ce que j'avais dernièrement. J'ai envie d'autre chose, je sais pas quoi encore. Ça me renvoie sur du vert. Alors on voit qu'il est plus tout jeune, hein, ce poste. Parce que là, on remarque une différence de teinte. Ouais, c'est bon, que je me trompe pas. En beige comme ça. Je sais pas trop. Comment on fait du bleu déjà? Bon, d'accord. J'ai du rouge vif à la place.
Ah, ça change. Violet. Ah ben là j'ai du bleu. Mais si à la caméra on voit quelque chose, moi de mon côté, c'est un peu compliqué l'affaire. Bleu d'un côté et vert de l'autre. Bon, ça c'est un petit défaut au fil des années sur sur les cristaux liquides qui s'est fait, mais qui en fin de compte me donne un aspect pas si mal que ça. Eh bien, c'est pas fait exprès, mais on va garder ça. Tac, voilà, là j'ai validé. Le morse, je m'en fous. Là. Le clarifieur qui est remis. J'ai pas regardé un truc. Hop là, le Roger Bip. Ouais, il a enclenché. Bon, pour les puristes, stand-by Bip, mais c'est la même chose. Ok. Attention le petit renard pour d'un des 33 qui t'appelle. Ah, ça passe dans le mauvais délire. Bon, ben à tout à l'heure. Ah, ils y sont toute l'année en contest, hein. C'est tous les ans, toute l'année, ils sont en contest. Hachi. Ouais, non, mais j'ai remarqué ça aussi. Hein. Toute l'année, tous les ans, toute l'année, ils sont en contest. C'est assez bizarre chez eux, quoi. Et nous, si on contestait un peu aussi, quoi. Hachi. Bon, y a le petit renard qui est passé tout à l'heure, bon pas de suite, mais je lui ai envoyé le bonjour après, et puis je sais pas, il était déjà reparti dans son terrier. Ouais, c'est vrai, tu m'as arrivé avec un Santiago de 3. C'est pour l'instant, oui, bon ouais. Je vois, bon, 15h10, je me souviens plus hier à quel moment. Hier, ça faisait le yo-yo. C'est vrai que, ouais, ça faisait le yo-yo hier. Autrement, t'arrives à bien m'entendre ou pas? Ah, d'accord. En relâchant le micro, j'ai entendu tes doubles bips, donc tu m'entends plus. Ouais, j'entends ça, c'est l'OAB SDR d'Ottawa, c'est aussi compliqué de ton côté, quoi. Aïe, aïe. Yes.
Et voleur de fréquence. Eh bien, je sais pas comment tu le sens, mais j'ai l'impression que ça va être une journée off. Je sais pas trop, on verra bien. Et quoique, de toute façon, aussi, il y a une bonne chance que ce soit une journée off, puisque on est quand même le 31 décembre. Donc les gens aujourd'hui vont être plus, je pense, à être en train de préparer pour le réveillon, ceci, cela. Bon, maintenant, après tout, on sait jamais. Pour Noël, il y a bien eu du monde en fréquence, alors que moi, de mon côté, je m'y attendais pas du tout. Eh ben oui, je suis toujours là, oui. Oh, il y a de la vache folle qui passe en fréquence en même temps. Alors là, t'es trop QRP là pour moi. Je t'entends, oui, mais comme si t'étais dans le fond de la pièce. Ah, ça remonte un petit peu là, mais bon, vraiment un peu. Alors ce qui est étonnant, c'est que tu vois là ici, là sur les sups, la propague, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas top. Alors que si tu descends vers le bas de la bande, du côté des 40 canaux homologués, alors là par contre de ce côté-là, ça y va à fond la propague. C'est puisque je reçois même des Américains à Santiago 9, voire ouais, autour de Santiago 9, en AM. Et ici en BLU, en haut, comme ça, là, ça arrive pas à passer. Eh, fais attention au sous-entendu quand tu dis ça, quoi. Oui, derrière. Compris, quoi. Il veut dire qu'il a marché dans la merde d'Alpha Tango, quoi. Que ça lui colle au pied. Quoi. Ah, c'est vrai qu'ils sont pénibles. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le groupe des tenants du Québec, hein, ils sont là depuis une bonne quinzaine d'années, hein, sur cette fréquence. Hein. Et assez récemment, l'année dernière, visiblement, enfin, je sais pas trop exactement, mais on s'en est rendu compte l'année dernière, en tout cas, que ben, les Alpha Tango ont décrété que ici, c'était maintenant leur fréquence monitor. Et que ceux qui sont en place, ben, ils avaient qu'à dégager. Oui, monsieur. Oui, c'est
station, là, une autre station qui s'est manifestée là, à kilomètres. Là. Il y a une autre station dans les kilomètres qui s'est signalée. Ok, ben je ne l'ai pas entendu ni d'un côté ni de l'autre. Les 73-51 lui, 14 km, 4 petits points, de 14 km 33-01. Ah, au fait, Gilles, est-ce que tu m'entends bien là en fréquence? Je crois, là t'arrives à 58-59. Wow, c'est remonté à 57 de mon côté. Alors j'en profite là de suite. Pour l'histoire des vidéos que les gens trouvent, je sais pas, chiant, je sais pas quoi, on n'a pas bien compris et tout, ceci, cela, enfin bon, bref. N'oublie pas de leur rappeler de temps en temps qu'ils regardent bien l'heure du QSO. Voilà, comme là, moi si je veux retrouver mon passage dans ta vidéo là de suite, je regarde l'heure que j'ai là, directement là, ok, de suite chez moi. Bon là, il est 15h20, je sais que dans la vidéo, ben, si je veux retrouver ce passage là, il faudra que je regarde l'heure aussi de ton côté, 15h20, pour retrouver la même chose. Voilà, voilà, ça c'est un petit truc qui sera bon à rappeler aux gens. Si vous voulez vous revoir, vous écouter dans la vidéo, regardez bien l'heure du QSO pour retrouver plus facilement. Voilà, c'était la petite parenthèse pour les écouteurs qui écoutent ensuite les vidéos et qui trouvent ça chiant de chercher après sur la longueur de vidéo. Il suffit tout simplement de regarder l'heure qu'il est et puis c'est tout. Wow. Ah putain la vache, 57 de mon côté, toi ça reste stable là. Bon ok, là mais autrement oui, pour en revenir à ça, à la durée des vidéos, patin coup fin, comme je te l'ai dit en privé, on va pas s'amuser à faire 10 000 vidéos, c'est-à-dire une vidéo par personne que tu attrapes en fréquence. Je sais qu'il y en a qui le font, ils font des vidéos de 1 ou 2 minutes, pas plus, qu'ils envoient sur YouTube. Non, on va pas s'amuser à ça parce que là, pour le coup, on va passer plus de temps sur les vidéos qu'on va passer de temps en fréquence. Donc, on change rien dans la durée des vidéos, mais c'est aux OM de regarder l'heure du QSO pour retrouver facilement après dans la vidéo. Là, oui, comme ça, c'est mieux. Ben bien sûr, tiens toi, regarde là par exemple ce matin, alors que je calcule, bon en tout j'ai fait 3 vidéos avec ce que tu m'as envoyé, j'ai dû passer, que je me trompe pas, j'ai bien dû passer 3 heures, 3 bonnes heures dessus, je pense. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref, j'ai passé la matinée. Bon, j'ai pas fait que ça, évidemment. Je pense que j'ai dû m'y mettre vers 8h30, je crois, ou 9h. 9h peut-être plus. Ouais, que j'ai dû me mettre... ouais, bon, bref, autour de ça. 8h30, 9h, que j'ai dû me mettre à travailler les vidéos. 11h20... j'avais fini avec les partages compris, hein, les partages et tout. Alors imagine si on change les habitudes pour faire des vidéos plus courtes, pour que chacun puisse facilement se retrouver dedans. Non, on s'en sort plus là. Là c'est, je le répète, c'est aux gens de regarder l'heure qu'il est à la minute même où ils sont en train de faire le QSO pour retrouver facilement après dans la vidéo. Là oui, oui oui. C'est à eux de faire un minimum d'effort aussi, quoi. Hachi, j'ai l'impression de râler, mais non, c'est une simple logique, hein. C'est quand tu, c'est comme quelqu'un qui, tu vas prendre un rendez-vous pour quelque part, eh ben tu vas regarder l'heure. Hein. C'est voilà, tout simplement. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Tu vas regarder l'heure pour le rendez-vous. Bon ben là, les gens, ils ont qu'à regarder l'heure du QSO, tout simplement. Hein. Voilà, c'est tombé dans le fond de la boîte, là. Bon, bref, ça sera dans la vidéo de toute façon. Oh.
15h25. Ouais. Elle est bizarre la propague. Ok, bon, c'est bon. Mais c'est le bout de la Bretagne. Il est dans le bout de la Bretagne. Ok, bien reçu. Alors, Michael, les 73-51 à toi à retourner. Alors, je suis regardé vite fait. Michael, il est sur le bout de la Bretagne. Carrément sur le bout de la Bretagne, face à toi, Gilles. Si tu lui fais un coucou par la fenêtre, il devra arriver à te voir depuis le bout de sa Bretagne. Ah, chie trois coups. Donc, les 73-51, Michael, de 14 km, 33-01 Rémi, sur le département de la Gironde. J'en dis pas plus pour le QTH. Ouais, pareil. Ah oui, c'est petit. T'as, j'ai le volume à 50% là. Alors il passe mieux sur le WebSDR. Le voilà, le voilà, le voilà. Entendu sur le WebSDR. Dans le poste, ça faisait un peu de la bouillie, mais sur le WebSDR, c'est bien passé. Thank you.
Taïla, Santiago 1. Ouais, Santiago 1. J'ai l'impression que sur la vidéo. Ouais, c'est limite, hein, au niveau clarté. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec pour cette vidéo-là. Faudra que j'éclaircisse ça. À droite, ça va, c'est QRO. À gauche, c'est moyen. Oh la vache. Ça, c'est de la FM. Dégueulasse comme ça, oui, c'est de la FM. J'ai l'impression que la propague est un petit peu partie se préparer pour le réveillon. Hachi. C'est moyen moyen. C'est vrai que là, on va pouvoir se dire à l'année prochaine. Enregistrer le break. La bonne poignée de main dans ta direction et bisous à ta dame.
C'est Hugo 3, il est sur directive. Demain, pour moi, ce sera au travail. Voilà, bon côté, Gilles. Alors, on peut revenir pour toi ce soir, et puis, on a beaucoup pour demain, à midi, pour la tournée. Voilà, et à toi, à ton épouse, et puis toute la famille, la petite famille. Voilà, qui t'entoure de ton côté, Gilles. Voilà, à ton épouse, le plaisir de se retrouver. Et bon réveillon, à bientôt, Gilles, et 60 à tous les bons réveillons de Christian Lagier de Bordeaux. 14 novembre, 8h55, le Québec, 14 niveaux. C'est Hugo 2, 3. Hop, 1. Alors que nous, on est quasiment 12, presque. C'est bon pour vous, vous allez avoir plein de neige là.
le mois de janvier, ça y est, on est bientôt. Vous allez avoir certainement, comme tous les ans, de la neige là. Ça va arriver ce mois de janvier. Allez, attention à toi, au plaisir. Merci pour le double vin qui est ici, tu vois. Quand il est par moment ensoleillé, on est à 8 degrés plus 8 là. On a eu de la pluie ce matin et début d'après-midi. Ouais, c'est ça. Tous à retourner, Christian, les 73-51 de Rémi. Voilà, bon réveillon. Ben, pour moi, demain, ben, ça sera boulot. Voilà comment je vais commencer l'année, quoi. Aller payer pour la, aller travailler pour payer la retraite. Merci, tout ça retourné également. Et bien là, dans la blégunette, je te dirai ben, à l'année prochaine. Pour les, pour pouvoir se souhaiter la bonne année, meilleurs vœux et tout ce qui s'ensuit, quoi. Merci, bye bye. Retour Gilles. Je l'entends pas. Alors. Mais il passe partout, Christian. Il passe par tous les trous, lui aussi. On voit que là, il est en directive, dirigé vers le Québec. C'est un peu normal que j'entende aussi fort comme ça sur le WebSDR. Je l'ai pas entendu de mon côté, rien. Wow. C'est bien passé là. En plus que Gilles, il a son antenne à 17 mètres de haut. Il est dans un secteur qui est quand même assez humide.
Il y a des lacs, il y a de tout là autour de chez lui, quoi. Enfin, dans les environs. Ça aide. T'as ce blanc qu'il y a, j'entends plus personne. Et pourtant la propague est là, hein. Puisque vu le retour que j'ai là de mon côté là sur sur Ottawa, ça, la propague est bien là, et c'est les hommes qui sont plus là. Ah mais ça je m'y attendais, hein, Gilles. Je m'y attendais parce que bon ben on est quand même ce soir c'est le réveillon. Hein. Donc les gens sont plus déjà pour certains en famille, pour d'autres à préparer et tout, ça. Donc je m'attendais pas à mieux, quoi. Enfin, je m'attendais pas à plus. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Bien sûr que c'est normal. Hein. C'est d'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on fout là en fréquence? On devrait être plus également préparer le réveillon et tout ce qui s'ensuit, quoi. Bon, toi, de ton côté, c'est encore le matin, puisque là, il est quelle heure? Alors, 15h45, 15h50 ici, donc 9h45, 9h50 chez toi. Oui, bon, encore, ça laisse toi, t'as encore du temps, quoi. Mais je vois, nous, là, du côté de la 14, on est quand même milieu, fin, on commence à attaquer un petit peu la fin d'après-midi. Donc, voilà, quoi. Attends, j'ai pas compris. Excuse-moi, j'étais en train de faire deux choses en même temps, du coup j'ai bugué. Non, Ah, t'as vu, putain, ce retour que j'ai là sur Ottawa, la vache. J'ai affiché à l'écran, là, tu verras ça dans ma vidéo. J'ai affiché à l'écran là ton secteur là sur le Québec, et on voit là toutes les pièces, tous les endroits où il y a de l'eau et tout, ça, les lacs. On voit tout là, tout ce qu'il y a là autour de chez toi, plus le fleuve. C'est un grand lac. Ah putain non, c'est le lac des deux montagnes. Il est énorme celui-là. T'es la vache. Ah oui, bah tu m'étonnes. C'est sûr que t'es bien placé là. Ouais. Et t'as jamais eu envie de mettre le pylône au milieu du lac là des deux montagnes? Putain là, ça doit être pas mal cuéro là. Hachi. Mais oui, c'est là où c'est pas logique, puisque on est toujours dans la montée de la force de la propague. On n'est pas dans le sens de la descente, mais on est toujours dans le sens de la montée par rapport au cycle de propague. Puisque c'est pour la pointe, je crois. On sera au sommet en 2025, je crois.
Oui, je crois que c'est ça, je sais plus. Oui, il me semble que c'est en 2025 qu'on sera au sommet au niveau de du cycle de propagation. Donc là, c'est vrai que je comprends pas trop là le pourquoi là de que c'est pas pareil, que c'est moins bon que l'année dernière. Je comprends pas trop non plus. Ouais. Il est où? Il est où? Alors, tu commences à me perdre sur ton QTH seulement parce que je peux te dire que sur Ottawa, ça passe toujours aussi fort. Hein. Et voilà. Ah, les 73, Louis. Bon, tant pis. Bon, j'ai plus rien. Bon, allez, de mon côté, je vais pas insister. Je vais en même temps laisser les oreilles de l'XYL se reposer. La laisser regarder tranquillement à la télé. Donc je vais t'envoyer bonne 73-51 Gilles. Pour ma part, je vais me mettre à travailler là de suite maintenant, présentement, la vidéo de mon côté. Et je te souhaite bonne journée à toi, bon réveillon pour ce soir. Amusez-vous bien tous, là tous les 13. Oui, c'est ça, oui. Amusez-vous bien tous, là pour le réveillon. Et Gilles, je te dis à l'année prochaine. Et elle te retourne tout ça sans problème. Ah ben pour demain, de toute façon, moi je serai au travail. Et en plus, je serai en journée. Donc, pas de QSO pour moi demain. Après-demain, oui, mais demain, après-demain, je sais pas, on verra bien. Puisque là, mardi, on est quoi? Oui, demain, on est lundi. Mardi, mercredi, faut que je vois. Mercredi, ben non. Mercredi, je serai pas là. Puisque mercredi, faut que j'attrape la moto, faut que j'aille de l'autre côté de Bordeaux, là-bas, faut que j'aille sur Mérignac. Et apparemment, la météo a changé, ça devrait aller. Je devrais pas me faire doucher sur la route. Donc, ce qui est sûr, c'est que mercredi après-midi, je serai pas en fréquence. Mardi après-midi, je sais pas trop, on verra bien. Demain, je sais que bah, c'est non. Là, j'y serai pas du tout, parce qu'à l'heure auquel je vais débaucher, y aura déjà plus rien. Donc, bon réveillon pour ce soir et à très bientôt pour la bonne année. Merci, bye bye. Ciao, ciao. Sur le web SDR, je crois avoir reconnu Daniel, senteur, 14 km, 33-06, je crois. Daniel, senteur, je l'ai entendu sur le web SDR. Allez, je file, Gilles. Thank you.
Je n'entends plus. Allez, bye. Merci, merci Gilles. À plus. Ah si, un peu de monde sur la fréquence Facebook. Quand je disais qu'il y a même des Français qui lancent appel ici. Et ils ont bien raison. Bon, ben la fréquence minute hors kilomètre, aujourd'hui non plus, c'est pas la bonne heure. Pas la peine d'aller perturber plus que ce ne l'est. Là. On va faire un petit essai, vite fait. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. On dirait une corne de brume. Break en direction du Québec-Canada depuis le sud-ouest de France. D'accord, ça c'est fait. Il est là, les 73-51 de Dundee 33, 14 km, 33-01 Rémi. Voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Wow, ça arrive de partout. C'est du Santiago 7 de mon côté. Vous avez été deux à parler. Les 73-51 à vous deux. Alors, il est quoi chez vous? Il est presque 10 heures chez vous. Eh bien, toi, chez nous ici, il est pratiquement 4 heures PM. Alors que nous, là, ici, tu vois, là, c'est... Là, maintenant, on a du soleil et 12 degrés, nous, ici. Voilà, 12 degrés. Il n'y a pas de neige d'annoncer, hein. Vu la météo chez nous, là, ça risque pas d'arriver, quoi. Pas avant un moment, en tout cas. 12 degrés et grand soleil. Ça te plaît, 73.
Merci, tout ça retourné, très content d'avoir eu pour le dernier jour de l'année quand même. Là j'ai fait fort, là, j'ai eu beaucoup de chance pour le dernier jour de l'année comme ça en AM, sur le 26 AM. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu l'équipe. Merci à vous tous et bon réveillon pour ce soir et je vous dis l'année prochaine. C'est du 57 de mon côté. Et là, je suis en train de faire une vidéo, une bonne vidéo. Ça sera dedans. Je vais me dépêcher de travailler ça là sur l'ordinateur, là pour la partager après au plus vite là sur le groupe. Merci à tous. Les bonnes 73-51 retournées à tout le monde, à toute l'équipe là du canal 26 là du Québec. Merci beaucoup à vous tous. Bon réveillon. Amusez-vous bien ce soir et à l'année prochaine pour se souhaiter la bonne année. Merci beaucoup. Donc, dans la vidéo, il faudra que tu avances le curseur de la vidéo à 4 heures. Voilà, quand tu verras d'afficher 4 heures, là, tu sauras que ce sera pour vous. Voilà, pour la petite astuce. C'est pour ça que je mets l'heure, justement, là, dans la vidéo. Comme ça, au moins, tu sais qu'à partir de 4 heures PM, là, ça sera pour vous, là, dans cette partie-là, quoi. Merci beaucoup. Et à plus. Et encore, merci, merci, merci. Amusez-vous bien ce soir. C'est dans la boîte, oui monsieur, c'est dans la boîte. Merci beaucoup, tout ça retourné, bon réveillon et à très vite pour la bonne année. J'aime pas souhaiter la bonne année avant l'heure. J'aime pas souhaiter la bonne année avant l'heure, pourquoi? Je dirais chaque chose en son temps. Hachi. C'est en gros c'est ça quoi. C'est d'abord bon réveillon pour commencer. Voilà. Et puis une fois qu'on aura franchi le pas, bonne année. Tout simplement. Bon ça a été la cerise sur le gâteau. La deuxième cerise sur le gâteau. Il y a du bruit, mais bon. Wow. C'est ça, je m'en doutais. Alors, je dis ça parce que... Quand on regarde ceux qui sont dessus là, dans le lot, on en voit qui ont
qui ont des rampes d'antenne sur leur 4x4 avec un long bras devant et tout ça. Ils ont une douzaine d'alternateurs sous le capot. Et ça envoie des kilowatts, des kilowatts, des kilowatts. Au point de voir l'électricité jaillir aux bases des antennes. D'ailleurs, ça rayonne tellement fort dans les environs qu'au niveau de ceux qui font des vidéos avec leur téléphone, mais ça, pour le coup, ça les perturbe. Ça va même jusqu'à leur brouiller leur enregistrement, leur vidéo. Bon, il y a des exemples là sur le forum la planète Sibi francophone dans la rubrique générale canal 6. Ouais, c'est ça, oui. Dans le sujet sur le canal 6. Ou sur YouTube. Bien sûr, bien entendu. Alors, quel mot-clé pour trouver ces vidéos? Là, je sais plus trop, ouais. Et on est en AM quand même. Hein. Bon allez, les 73-51 tous, de la part de l'association RCKM, Radio Communication Kilomike et la planète Sibi francophone, et bon réveillon pour ce soir.